Mesdames et messieurs, politique en d'un pays d'Haïti, c'est grand chien. C'est pas derrière ça gardé. Je te compte toujours dit l'argent pas gain sente. Et bien c'est journée jodi à la en Haïti, gien quelques moun à cravate et puis veste qui a prouvé nous. Y a pas besoin connaître que l'argent t'a dans la bouche senti côté cochon à patiner chaque jour. Y a fouillé mais yo, je prends là. Dossier justice en Haïti. La famille Bell, mesdames et messieurs, que ULCC t'a arrivé convoqué à cause ancien DG douane Romel Bell pat arrivé faire déclaration de patrimoine, yo joine divers plusieurs milliers de dollars sous compte li et li gagne divers bien qui nan non li sans que li pat travail pour ça. Et mes avocats famille ici là, qui c'est Samuel Madiste qui fait partie de Fondation J'éclairé qui a défendu Douamoun en de pays d'Haïti, poser une action en justice pour la famille Romel Bell. Ensemble, nous prenons connaître qui qualité action en justice que Samuel Madiste lui-même lui arrivé poser. Puis devant mesdames et messieurs, nous gagnons André Michel qui c'est un chef de file l'opposition qui te campé pour capable voyer président Jovenel Moïse aller ak ancien initiateur mouvement campé des barricades, c'est lui-même qui avenir écrit gouvernement Ariel Henry ensemble avec tout conseil de transition pour demander afin pour capable intégrer diaspora yo dans toute activité qui a fait dans pays ya, spécifiquement dans ça qui gen awe ensemble avec élection ensemble nous pral connait exactement qui ça qui t'est passé. Divers citoyens levé campé puis capable défendre droit yo devant ministère justice ak économie et finance là. Mesdames et messieurs, citoyens si la yo trouvé que la vie yo en danger. L'aime dit nous en danger, c'est en danger. Ensemble, nous pral tande déclaration yo. Puis devant nous gagner commissaire Jean-Ernest Muscadet encore une fois qui s'est monté 7 fois 77 fois. Pep Miragouane, pap tombe en bas mais raquette. C'est ça que fait. Nan jou ki pral vini la yo, li pral pran gros décision à faire pour li capable kwape évolution raquette qui ap travaille en da bureau immigration. Ensemble, nous pral tande déclaration commissaire Jean-Ernest Muscadet. Office protection citoyenne déclaré li paraît pour li capable travailler dans tête collée ensemble avec représentant Douamoun désigné dans pays d'Haïti qui c'est William O'Neill. Ensemble nous pral connait qui mission William O'Neill lui-même li pral gagner en Haïti et qui ça exactement office protection citoyenne a capable porter pour lui comme solution. Et nous gagner président Luis Abinadel après visite Wendy Sherman qui c'est secrétaire État adjoint pays États-Unis qui prend encore une autre fois position là mesdames et messieurs. Nous prenons saisir tande qui position que Luis Abinadel lui-même li gagne sous situation pays d'Haïti. C'est toute information avec divers lot qui prend fait essentiel actualité nous jodi a. Bonjour tout le monde, bienvenue ou sous TAC 609, chaîne information avec Fabula Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou avec rubrique information ça. Bien avant, nous aller plus loin après temps pour nous dire merci, ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invite vos familles ou vos amis à abonner à TAC 609 pour capable toujours être connecté avec bon information. Jeudi à ce vendredi 14 avril 2023. Mesdames et messieurs, les dit nous politique dans le pays d'Haïti, c'est grand chien, c'est pas derrière, regardez. Nous qui doit penser c'est une plaisanterie. M'bral expliquer nous exactement pour qui ça. Dans l'année 2021, ULCC l'ouvrit une enquête sous direction Romel Bell dans douane Port-au-Prince parce que ULCC était besoin qu'on ait exactement est-ce que oui ou non Romel participait dans diverses corruptions qui faites en dans institution étatique si là. Pendant enquête là a avancé, mais ULCC remarqué que Romel Bell pas jamais fait déclaration de patrimoine. Et bien la question déclaration de patrimoine si là, Romel Bell lui-même, qui gita gagné un paquet bien qui sous nul, qui a blanchi l'argent à travers yon soi-disant organisation qui a aidé moun, li gagné un de pays ensemble avec madame li, écoute en bas Romel Bell même, c'est pas parler.
Et maintenant, l'année qui s'est passée là, les États-Unis, lui-même, pas bon côté, parle, t'es l'ouvri, propre enquête. Li. Et à travers enquête là, les États-Unis jouent Romel Bell, qui était directeur douane, dans blanchiment l'argent, corruption avec trafic illicite. Les découvertes si la fête, et mes États-Unis dit, m'ba vin ki to pourri pays, nan, n'a ba ou, yon coupure de visa. Yon coupé visa, Romel Bell, li pa ka voyager. Mais enquête ULCCA li même, li tap continue. Le orele Romel Bell devant ULCC pour capable vin répondre question, mesdames et messieurs. Et mais Romel Bell te nanti sou liel parce qu'elle pas capable expliquer exactement qui côté joine qualité somme l'argent sa yo qui trouvel nan compte en banque li. Romel Bell pas ka expliquer comment faire li posséder tout bien sa yo. Et Romel Bell, mesdames et messieurs, pas capable ba yo rapport exact de tout ça qui fait nan douane. Nous bâti moun piti, nous tendez ça qui a passé actuellement là dans douane. Nous tendez qui qualité rendement que douane a bay, le Romel Bell lui-même li pa là. Nous tendez qui travail qui a fait en douane. Donc ça veut dire Romel Bell non seulement un obstacle, mais Romel Bell lui-même li quitte yon paquet de rifet dans douane. C'est ça que fait ULCC lui-même li acheminé dossier si là bay de CPJ. Et juge Jean-Wilner Moré, c'est lui-même qui a commencé le travail sous dossier Romel Bell. Eh bien, nous avons Samuel Madiste qui prend rentrer en scène. Samuel Madiste qui fait partie de batterie d'avocats, l'église épiscopale, dans la question de zam que la justice haïtienne a arrivé joindre, qui arrive sous nous yo avec franchise. Emile Samuel Madiste, c'est avocat Romel Bell, ensemble avec toute madame. Li. Et mais nous connaissons qui ça Samuel Madiste fait? Est-ce qu'on chita bien pour nous connaître qui ça Samuel Madiste lui-même lui fait? Nous correct? Très bien. Et mais Samuel Madiste a posé une action en justice. Action en justice si là, côté li mandé pour récuser tout magistrat en général qui a travaillé sous dossier la famille Bell. Est-ce que nous tenez samedi nous? Samuel Madiste mandé pour révoquer ou du moins pour capable mettre de côté tout magistrat qui a travaillé sous dossier Romel Bell. C'est ça qui fait que juge Jean-Wilner Moré lui-même, il était obligé de prendre une pause dans le dossier ci-là en attendant que CSPJ lui-même lui prenne décision définitive. Li. Donc nous sommes capables de comprendre qui ça qui a passé en Dapéguia. Yon ancien directeur général la douane. La douane, c'est un bon moyen que yon pays lui-même gagne pour capable permettre l'économie bien balancée. Et maintenant, époque que Romel Bell t'a dirigé la douane, gon paquet cargaison zam qui passait, jamais ou pas jamais vérifié yo. Gon paquet cargaison katouche qui passait, yo pas jamais vérifié yo. Gagné drogue qui passait sous la mer. Gagné l'autre outil ak matériel qui ka la cause ak assassinat qui passait dans douane, Romel Bell kon moun sa yo très bien, li pas jamais arrivé vérifié yo. C'est comme ça, douane lui-même, il était commencé pas capable de faire recette correctement parce que go paquet moun qui t'a supposé payer a fait pour recevoir marchandise yo, yo pas jamais payé parce que yo c'est gros palto dans pays ya. Parmi moun sa yo, nous rappelons nous ancien député profane qui t'a gagné pas 7 conteneurs qui t'a choisi payer pour une ou bien deux. Li pat choisi payer pour l'autre, les ça, c'est Zamil, c'est Kateli, c'est Bazi, Romel Bell qui te dans tes douane. Donc, ou imaginez yon moun qui fait qualité de li sa yo. Et puis, bim, les États-Unis dou, Romel Bell nan blanchiment l'argent. Nous kon ki jan Romel fait blanchiment l'argent selon ULCC. Et mais Romel Bell utilise yon soi-disant organisation que lui-même ak madame li ap dirige qui ap aide moun. Et mais c'est là que Romel Bell li blanchit l'argent. Romel Bell le trafic illicite. Ça qui veut dire trafic si là. Li ka trafic médicaments. Li ka trafic drogue. Li ka trafic zam. Donc nous capable comprendre. Romel Bell, mesdames et messieurs, nan corruption.
Qui j'ai un avocat qui soi-disant éduqué, un avocat qui soi-disant connaît ça la faire comme travail, un avocat qui soi-disant a défendre droit moun, capable faire camper derrière un tel crime, un tel arnaqueur. Expliquez-moi. Parce que ces derniers temps, vraiment pas capable arriver comprendre qualité avocat que nous gagnons dans le pays d'Haïti. Parce que ces derniers temps, je vraiment pas capable d'arriver à comprendre qui qualité d'avocat que nous gagnons dans le pays d'Haïti. Des hommes qui sont prêts à tout. Ils sont prêts pour faire tout bagay si toutefois la rentrer l'argent dans la poche. On dit avocat, ça y a défendre l'église épiscopale. Oui, l'église a besoin des avocats pour défendre. Mais quand bien même, qui met l'église épiscopale là, met dans le sac, dans un tel dossier. Et puis nous restons bec et comme quoi, nous travaillons pour ça, franchise pas ceci, franchise pas cela, au conseil, au pas de connaît, comité permanent a fait tout ça. Non! Donc là, quittez l'autre monde qui raquette, quittez l'autre monde qui bague un yé pour faire travail sur dossier si là, mais pas avocat respectueux, j'en aurais les noms. Des avocats qui connaissent exactement qui travail a fait. Donc, il est vraiment important là pour nous capables de pencher sur le modèle de Cécile. Donc, le Samuel m'a dit demandé pour récuser tout magistrat qui fait partie de Cécile, qui ça le dit exactement. Eh? Qui ça le dit exactement? Donc, nous avons pour qui raison? Dossier Jovenel Moïse a pas jamais qu'à marcher. Nous avons pour qui raison, dossier maître Montferrier d'Orval là, il était bloqué dans le parquet jusqu'à présent, pas de juge qui a mené après que l'autre juge est arrivé quitter le pays d'Haïti. Nous avons pour qui raison, dossier massacre la Saline, pas capable de gérer dans le parquet. Tout le monde qui tombe, qui a un dossier par yo, nous avons pour qui ça. C'est parce que moun gwo kolèt sa yo, c'est parce que moun sa yo qui a poche chopé, c'est yo même qui a dirigé justice là en le pays d'Haïti. Yo ba ligne que yo vle. Si yo vle justice là, la jodi a la pla. Si yo vle l'autre côté de Messie Dieu veut, la pion l'autre côté de Messie Dieu veut. Mais comprenez bien. Le que ou décider écarter tout magistrat sur un dossier, c'est que ou gagne un magistrat spécifique ou vient travailler sur dossier si là. Kounya là, c'est pral pour qui raison exactement ou ta remé ces avocats ou du moins ces juges ça qui travaille sur dossier ça. Pour qui raison, qui avantage qui gagne dans ça. Je ne j'en dis à là, mesdames et messieurs, le pays va plus mal que jamais. Pays d'Haïti revenait en phase côté bagay yo vraiment compliqué. Côté les anti crasse la pluie tombé, moun pa ka sorti dans la rue, tellement la rue a senti ak fatra ak la boue. Sous la rue là, Carrefour Feuille, Matissan, Pétionville, bon tabac lui-même, li pi mal pas son femme fontaine. Debout la pluie a fait sale tomber. La pluie va même dire 2 minutes non, tabac est en la gueule de l'eau. Tabac pousse de l'eau dehors. La voyer dehors. C'est ça tabac a fait. Dans n'importe moment go ti grain la pluie. Qui donc nous a qui tout problème, yo pays gagné. Nous a tout problème yo pays gagné. Yo pays côté la justice pas respecter droit personne. Ça sont l'autre problème encore. Yo pays côté le parent a mené petite l'école, yo kidnappé l'elfine déposé. Ça c'est problème. Yo pays côté, yo malheureux descend en bas la ville. Même pas aller en bas la ville, malheureux pas même qu'à descendre en bas la ville. Là là petit marché bon la Kalia, yo dit comme ça, yo green spaghetti vend 175 goud, yo gloss huile vend 75 goud, yo mac aranso vend 35 goud, yo green maggi vend 10 goud. Mais qui problème qui gagne dans pays ça? OK? Yo pays côté le wa l'hôpital général, yo dou achete gang. Sou fè inèt tan kouche, paye kabann nan. Sou besoin de la propre ou supposé payer pour ça, mais pays ya. Pays ça mesdames et messieurs, côté ou tendez,
avocat a défendre volé. Pays ça, mesdames et messieurs, côté ou tande que avocat a défendre moun qui a fait trafic zam. Alors, garde tout problème que yon pays a confronté, personne pa jam di anye. Et puis, n'a défendre qui est, moun ka fait trafic zam. N'a défendre qui est, moun ka volé l'argent l'État. Non! Moun sa yo pa mérite défense. Nous kon sa très bien. Moun sa yo se kite yo. Le l'État arrange kol pour capable gérer dossier yo a pi bien toujours. Donc c'est qualité action ça que Samuel Madiste, mesdames et messieurs, arrivé poser même juge Jean-Wilner Morin arrivé mettre kol yon côté pour rete tann ki ça CSPJ a décidé nan dossier la famille Bella. André Michel, pap jam suspend étonné qui que ce soit. En 2018, m'a tande André Michel qui a parlé. André Michel déclaré: Jovenel Moïse voye moun parler ensemble avec moi. Jovenel Moïse rele moun nan téléphone pour yon capable essayer parler avec moi. Mais jamais Jovenel pa jam vin kote m parce qu'elle connaît mes convictions, parce qu'elle connaît que m'gagne position, m'pa jam abandonner, m'pa jam capable travailler ensemble avec lui. Dans l'année 2018, Jovenel Moïse te gagné seulement yon l'année sous pouvoir. Yon l'année côté, li tap essayé garder qui jan pouvoir lui-même, li fonctionner en dans pays d'Haïti. Après que elle fin joine yon système kap tout fait. Après que elle fin joine yon peuple, mesdames et messieurs, kap suffoqué. Jovenel Moïse tap gade ki jan capable aider peuple là. Nan même l'année 2018 ça, soit 18 novembre 2018, eh bien c'était démocratique ak populaire te lancé manifestation contre la présidence de Jovenel Moïse, puisque le type, selon eux, pas de gagner capacité pour lui gérer pays après seulement yon l'année sous pouvoir. M'soje André Michel Silatou, dans l'année 2020, mesdames et messieurs, à travers tweet que te kon fait, qui déclarait, pap jam gagner yon gouvernement de cohabitation ensemble avec Jovenel Moïse. Li paraît quoi que, moun opposition, ta jambé massacre la saline, massacre Kanfoufeuille, ta jambé toute insécurité que pays d'Haïti a fait face ensemble avec lui, pour chuta parler sur une table avec Jovenel Moïse, parce que Jovenel pat mérite toute attention si la. Me rappelle même André Michel ça, mesdames et messieurs, qui te déclaré dans yon manifestation que Ariel Henry lui-même, li illégitime, li inconstitutionnel. Même André Michel ça, qui te déclaré que SDP pas pral cohabiter ensemble avec personne que Jovenel Moïse te nommé. Même André Michel ça qui te déclaré, communauté internationale là, pas de droit fouiller bouche li, nan ça qui a passé en dans pays d'Haïti. Mais c'est même André Michel ça jeudi jodi a là cap crié nan pied communauté internationale là pour capable voyer une intervention militaire parce que c'est aide ça que pays d'Haïti besoin a fait pour être capable débloquer sécuritairement. Mesdames et messieurs, André Michel te dit pap jam gen élection ak Jovenel Moïse. C'est ça que fait 8 février 2021. Yo te kaloté met mesen. Yo rale pi met mesen soti sou kaban li tap dormi. Yo secoué met mesen. Yo di réveillé ou c'est président pays d'Haïti. Yo ri la tortue, ti mayo noir sou li, même gens ensemble avec acolyte qui André Michel, yo pran yo table, yo mette devant mesen et puis y a entraîné l. Mesen c'était Je suis Joseph Messen Jean-Louis. Je suis le président d'Haïti. Malgré à manquer mourir. Donc, tout te yat ça. Pour qui ça, André Michel t'a fait? 8 février 2021. Jis Pasqué.
Jovenel Moïse te dit, monsieur, en chita, en jouen yon point de départ et yon point d'arrivée pour nous capables de sauver peuple haïtien. Retire peuple haïtien dans sa lié à la. Je ne jodi à la, André Michel, pi mal passé, yon vie, ma sisi, m'pa ka parle fort. Tout jounen, n'est pas de côté Ariel yé, André Michel là. André Michel collé dans ke wab Ariel Henry, non pardon, li collé dans ke vest Ariel Henry, pi mal passé yon sensu. Parce qu'elle connaît très bien, si Ariel poche, li poche tout, si Ariel tombe, li pas existé. Et mais André Michel a parlé de conseil électoral provisoire là, dans une situation côté pays d'Haïti, a fait face ensemble avec une crise aiguë humanitaire et sécuritaire. Même crise ça, selon lui-même qui était existé dans le pays d'Haïti, qui était empêché président Jovenel Moïse lui-même, lui organiser élection dans le pays. Qui ça qui différent, je ne jodi à la? Qui ça qui rend gouvernement Ariel Henry aussi spécial? Ça, c'est question pour nous poser. Pour qui ça André Michel lui-même, lui vraiment accroché ensemble avec gouvernement Ariel Henry. André Michel déclarait, mesdames et messieurs, nous féliciter PM Ariel Henry. Et nous t'a aimé que gouvernement de facto, pardon, c'est moi qui mette de facto Ariel Henry, pas jamais de facto pour André Michel encore, avec un conseil de transition, pour ne pas oublier intégrer dans le conseil électoral provisoire, diaspora à travers le processus là. Donc ça qui veut dire, dans le moment où on a parlé à la, processus pour mettre sous pied conseil électoral provisoire pour capable organiser l'élection en de pays d'Haïti, lui lancer. Et c'est ça qui fait André Michel lui-même, lui pencher sur la diaspora qu'elle pensait qu'il doit participer dans la construction pays d'Haïti. Diaspora construction. Oui, dernièrement, par bon site, nous t'ai parlé de la diaspora. Qui sa diaspora yo même yo décidé fait? Est-ce que déclaration André Michel ça a épaté yo ou du moins déclaration André Michel là a passé dans yon oreilles, li sorti dans yon l'autre? Est-ce que André Michel lui-même li gagné pouvoir à capacité de conviction qu'elle t'a gagné sous président Jovenel Moïse là? Côté André Michel n'importe parole li té capable convaincu pour capable rejoindre bataille soi-disant yo t'a fait pour capoter système nan et puis pour jeter Jovenel Moïse et lancer un autre processus en dans pays d'Haïti. Parce que me rappelle dans l'année 2022 André Michel, mesdames et messieurs, qui pas gagné visa américain, té joué une visa top trip a fait pour être capable de monter Florida à discuter ensemble avec yon parti de la diaspora haïtienne a fait pour yon connaître que je suis capable de participer dans la question politique en le pays d'Haïti. Diaspora te toujours fait partie de politique là, mais diaspora pas vraiment intégré quoi correctement parce que yon normalement représenté yon bonne partie dans la question du pays d'Haïti. Ou alors de loin, ou regarde une situation avec l'autre en dedans, c'est deux bagailles différents. L'autre dans la situation où senti tension, l'autre dans la situation où senti peur, où senti mal, mais là que ou ralenti, ou fait bac et pour garder la situation de loin et pour commencer à vivre émotion où t'as supposé gagner dès le début. Yo. Et mais c'est ça qui fait que il y a un paquet de diaspora qui est capable de comprendre sa pays d'Haïti à vivre dans ce moment-là, que le dépasser, j'en ai fait. Qui est capable de comprendre que il y a un mot pas pour yo dire dans la situation pays d'Haïti. Et me dit nous, il y a une meilleure façon pour diaspora capable d'aider le peuple haïtien. C'est normalement mobiliser pour capable suspendre voyez âmes dans le pays d'Haïti. Parce que l'aime dit nous ça, gon paquet diaspora qui prend plaisir, achete zam pas si et par là, rassemble yo nan yon boîte, achete cartouche, mette la, et puis pimpe yo en Haïti. Donc c'est le mani plaisir ça que yo prend.
Gou paquet moun noue kap kriye sou réseau. Oui, ma se fin nan peyi, bagabam. Jésus. Ma koun depi ki lèm manje un ti poisson. Ma koun depi ki lèm manje un bon griyo. Ma vi manje la bapé. Descend marigo. Al manje mango. Ya plenye. Et puis c'est même yo même nan encore, mesdames et messieurs, qui a voyé zam nan peyi ya pour capable créer la troublaille. Pour capable créer la peur, pour capable créer une insécurité dans le pays. Donc, qui courage que vous gagnez exactement pour capable camper ou créer un tel mouvement après ça ou faire figure bien dit pour capable dire que vous avez besoin de vivre dans le pays? Est-ce que ce n'est pas une bêtise définitivement ou passer peuple ça? Et mais André Michel, mesdames et messieurs, c'est qualité de déclaration ça a fait un moment. Intervention militaire, malgré le pas de besoin d'aide communauté internationale, organiser élection avec un gouvernement que t'a critiqué, boycotté depuis plus passé 10 l'année. Je dis à la, André Michel connaît, faut qu'il capable de faire exception à la règle. Sauf que Jovenel Moïse même, il pas fait partie de exception si la yo. Est-ce que y a capable organiser élection en de pays d'Haïti? C'est question ça qui a posé. Est-ce que gagne moun qui gagne conscience assez pour dire yo pas pral poser candidat? Nous poko konnen. Mais est-ce que gagne l'autre moun qui gagne conviction assez? Conscience yo rassemblé, yo dit cette fois-ci moment arrivé pour nous capable changer pays d'Haïti. Est-ce que moun sa yo même yo pral participer nan élection? J'aime demande nous déjà parmi tout moun ki te cité nan rubrique ki sorti ayeya, ki yas tout a remé comme président pays d'Haïti. Est-ce que c'est Claude Joseph, Antonio Cherami, Yuri La Tortue, André Michel, Ariel Henry? Est-ce que nous ta remé que Joseph Michel Martelly lui-même li tourne sous pouvoir? Est-ce que nous t'avons remis ti père, li tourner sous pouvoir bien que pas capable parce que il a brigué deux mandats déjà et va en voir. Maintenant il a 5 ans même depuis il était président. Donc on pense que d'après la constitution, il est capable de tourner dans l'élection encore. Est-ce que c'est Martine Moïse qui yes exactement? Nous pensons qui est capable de représenter le pays d'Haïti correctement. Qui est exactement nous penser qui est capable de gérer la situation de crise que le pays a lui-même a fait face. Il y a des gens qui peuvent aller vers tout le monde. Il y a des gens qui peuvent faire promesses de campagne, mais qui a posé action. Pendant toute campagne, où est ces actions que l'a posé? Et pas distribuer, l'a distribué bagaille. Mais l'a parlé avec les gens. L'a fait les gens comprendre la réalité. L'a initié moun yo nan sa ki a passé ya. Aide yo comprendre ki sa ya vive nan pays d'Haïti. Donc ce genre de moun sa yo ke nou besoin. Yo moun ki capable permettre que yo stabiliser économie. Yo moun ki capable permettre que yo rehausser flambeau politique justice en nan pays d'Haïti. Yo moun ki capable permettre que yo rehausser l'éducation, la culture, la production nationale, la santé en dans pays ya. Nous besoin genre de monde ça yo. C'est ça que fait m'bap di élite intellectuelle là échoué. M'bap di moun ki savait yo échoué. Mais moun ki savait yo en dans pays ya nous lâche. Et bien que sans doute nous gè doit faire en pile bagaille. Le gè des séries obstacles devant ou, li difficile pour mettre soi gagner en application. Surtout, le gagner grand moun sa yo qui a dirigé. Grand moun sa yo qui fait toute carrière politique pays d'Haïti. L'aime du carrière politique là, c'est carrière politique. Yo te nan pouvoir Bono. Yo nan pouvoir Stenio Vincent. Yo la nan occupation américaine. Yo fait la dictature à Divalier. Donc moun sa yo, yo suivent politique pays ya. Yo comprennent politique pays ya. Donc c'est yo même qui t'a supposé pionnier
révolution ça qui supposé faite en Haïti a fait pour nous capables retrouver pays ça que nous perdu a. Mais c'est même moun sa yo qui choisit craser ensemble avec yon paquet vieille décision bidon, avec yon paquet vieille intérêt malsé, avec yon politique qui pas commode, yon paquet bagay tête en bas. Et mais c'est ça moun sa yo fait en dan pays d'Haïti. Qui donc, mesdames et messieurs, qui est-ce n'a voté? Parce que selon André Michel, processus électoral là lui-même, l'y lancé déjà. Qui est-ce nous pral voter? Qui te réponse pas nous? N'ayons un commentaire pour nous. T'en prie, s'il vous plaît. Divers citoyens levé campé pour manifester devant ministère justice après que Emily Prophète Milse, qui est ministre justice, a déclaré chaque monde t'a supposé prendre responsabilité tête par rapport ensemble avec justice et déclaré que pays d'Haïti c'est un territoire qui perdu. Ensemble, mesdames et messieurs, entendez déclaration citoyen Silayo. Ensemble avec toute revendication yo et à noter que yo pas seulement devant ministère justice là mais on te font coup de pied tout devant ministère économie ensemble avec finance là ensemble en suivre n'a pas yo yo ta supposé sanctionner ou récompenser m'a dit est-ce que c'est moun ta victime ne dit que yo ta supposé sanctionner ou récompenser nous n'avons pas plus analyse nous c'est injustice qu'a connait en de pays yo. Moun pou yo ta sanctionné yo pas sanctionné yo. C'est eux même qui marchent dans machine la police. C'est eux même qui au pouvoir même. C'est eux qui dit gouverne. C'est eux même qui décide pour la population haïtienne. Nous le disons li clairement que nous même nous devons nous de la justice. Nous veut dire faut que justice en pays. Sinon nous pas réagir. Réaction nous on dit pas dit. Les populations haïtiennes là accompagner nous parce que nous victimes propres de toutes actes violence que nous fait sur population haïtienne. Yo fait massacre sur nous, kidnapping, yo boule caill nous, yo mettre nous dehors. Non, place qui plus pauvre, yo casse défavorisé. Nous le disons, n'a dit ministre injustice. C'est pas justice qu'a prôné là, c'est injustice qu'a prôné. Les clairement pour population haïtienne. Commencez souder, pour nous dire comme ça que il est le temps pour que nous écartons social pour nous prendre avec conscience. Avec vraie conscience, nous pouvons que l'écartement social est capable de faire. Mais nous n'avons pas besoin de maman, nous n'avons pas besoin de papa. C'est plus de conscience qui pourrait tirer nous de situation désastreuse que nous retrouvons aujourd'hui là. Nous avons décapitalisé la population haïtienne. Nous avons même dit comme ça que nous avons un territoire perdu. Mais qui est nous dans le pays comme nous, ministre de justice, qui a parlé. Le temps de la justice. C'est comme si nous avons un cochon qui nous poursuit. Même le cochon là, l'entrée nous poursuit, il est toilette. Mais il y a des gens qui nous poursuivent. Mais je dis, nous choisissons propre cochon ça pour nous retirer le technicien. Parce que pas qu'il y ait un excellent technicien. C'est le monde qui a tué, c'est kidnapping, c'est insécurité, c'est chômage, c'est la vie chère. Les gens même, la population haïtienne, choisit de quitter le propre sol pour aller ailleurs. Mais nous disons non, ce n'est pas la chose ça. Et bataille pour nous, nous ne pas quitter elle. Non, nous ne pas quitter elle. Nous avons mouru là, nous avons mouru à la salité. Parce que nous sommes haïtiens. Oui, nous sommes peuple libre. Oui, papa nation une bataille pour nous. Nous sommes là, nous sommes les États-Unis, le Canada, la France qui met Haïti en otage. Nous avons prêté des jeux Haïti. Nous avons cassé deux poètes Haïti. Nous disons non, c'est violence. Est-ce que le gangou a fini? Est-ce que le kidnapping a fini? Est-ce que l'insécurité a fini? Est-ce que la vie a fini? Je dis, nous changeons les équipes Jovenel Moïse de mettre trois doquins sous Gaza, comment ça paye. Mais je dis, même l'équipe qui est dans la rue avec nous, sans pas citer nous, nous qui te connaissons, c'est eux qui ont programmé misère peuple là. C'est eux qui chita, Bokot Ariel, qui a programmé misère peuple là. Je dis à nous-mêmes, nous qui peuple là, nous faisons appel à la mobilisation populaire contre kidnapping, contre insécurité, contre gouvernement Ariel Henry. Et pour qui ça nous venons devant le ministère de justice? Nous venons ministère de justice là, nous venons ministère économie et finance là. Nous venons là devant le ministère de justice. C'est le peuple là qui a cherché justice depuis bien longtemps. Qui n'a pas joué une justice? Je dis à ministère de justice, il y a une femme qui est en tête qui n'a pas réglé rien. C'est ça que fait le peuple là, vient devant le ministère de justice. Je demande justice, mais pas demander justice avec Mme Sak dans le ministère de justice, parce que dicter la preuve, c'est Ariel Henry qui a parlé. Nous venons devant le ministère de justice comme un symbole pour nous dire peuple là, c'est justice populaire qui est capable de faire aux jeunes justice. C'est tout débat de pays, tout pays, tout diaspora
c'est eux-mêmes qui vont mettre tête ensemble pour jouer une justice pour les Haïtiens qui ont subi en bas kidnapping, en bas insécurité, en bas grand goût, en bas inflation qui dépasse 50% aujourd'hui. C'est ça que fait nous venir devant le ministère de justice et le ministère économie et finance. Côté économie pays, dans un petit groupe, majorité peuple dans grand goût, dans misère, dans insécurité. Je dis à nous start mobilisation populaire et nous prenons le volume dans tout le pays contre la sécurité, contre le kidnapping, contre la vie chère, contre le chômage, contre l'inflation. Nous demandons à la communauté nationale aidez-nous. Nous avons mouru en Haïti. Nous ne pouvons pas crier à qui relève. Désolidarisez-nous avec le gouvernement. Pas quitter le participer dans le forum international. Nous avons mouru. Et mille prophètes. Je dis à Setsoul Michel Matéli, Setsoul Ariel Henry, Setsoul Gang et Emile Prophétier. Je dis à Ndibé Maïséen, cherchez Kaye Emile Prophète. Machine qui n'en met là, pas de n'en met. Depuis côté Emile Prophète, t'es dit que les territoires perdus, que lui-même n'y a rien pour voyager, malheur et malheur, c'est pas qu'à voyager. La question, le installer Gang, dans Thomas Mounbaka Bagay, et puis après la police elle mourir. Je dis à yon prendre si green policier, sécurité tête yon, population la de aux abois. Nous demandons papa Haïtien, groupe gang sa ou tête pays, passez pour Ariel, passez pour mon ministre de justice, mettez si fait sous yon, parce que je dis à yon pas craquer mon pays en otage, c'est gang yon, gang contre gang. Je dis à nous dis c'est vite l'homme, nous dis c'est barbecue. Tout le monde a dit qu'il s'est gagné. Puis quoi gagné, c'est Ariel Henry. Puis quoi gagné, c'est Emile Prophète. Emile Prophète, ma crée, qui est tête ministère de la justice. Je dis à demander arrêter Emile Prophète. Mais Emile Prophète, c'est lui qui a acheté Galine. Bah, il a tout cassé populaire. C'est lui-même qui met des peuples à la guerre aux abois. Nous dit Emile Prophète, vous comptez. Je dis à ces armes à fond. C'est Galine à fond. C'est munitions à fond. On a tête ministère de la justice. Peuple à la guerre aux abois, peuple à kidnapper, peuple à l'insécurité. Emile Prophète n'a pas dit rien. La revendication est un droit légitime. Personne pas capable d'empêcher personne manifester. Qui donc, mesdames et messieurs, nous sommes qui qualité revendication que citoyens ça eux même gagné ensemble avec ministre justice là à gouvernement PM Ariel Henry. Commissaire Jean-Ernest Muscadet décidé li pap suspend marché sous cotof l'estomac rakete bandi nan Miragouane. Question pour venir là pour venir faire affaire personnelle ou pas gagnel. Bien avant nous rentrer dans déclaration commissaire Jean-Ernest Muscadet, mesdames et messieurs, ensemble entre des déclarations youn nan rakete si la yo ou pral saisi tande ki jan nou commissaire Jean-Ernest Muscadet li capable faire yo paquet moun trembler ensemble. Entendez déclaration. Si moun, 2 ans, 3 ans, pas qu'à faire passeport, mais en tout cas, moi merci, nous m'arrête au Paul pour me dire, Guy, moi-même, m'pas bandi, m'pas j'aime bandi. Viens arrêter m'jodi à la, mouvement toujours continue. La barrette nous tous. La barrette aux population. La barrette aux population. Et pas seul ou la barrette. Non, mais même, tout côté. Et c'est si Guy, n'a pas tout à fait, cherchez tout le monde. Et nouvelle là tout, n'a tout lit, nous pas paix, nous pas j'aime paix. Nous pas peur, nous pas jamais. Nous pas peur, nous pas jamais. Jusqu'au bout, merci la vous. Salut avant tout. C'est des menaces que m'a subies. Et imaginez les menaces à avoir faites. Il va trop beau. Il a fait tes amis, il a fait tes familles. Il va oublier pour son père de famille. Les gens qui apprennent ça, il va faire oublier. Le matin, pendant que je me lève, je vais vous appeler. Je vais vous appeler dans le cabinet d'avocat. Je vais rappeler que. Ça qui a passé comme ça là, je m'appelle garder ça, comme ça m'a demandé qui ça veut dire. La police a fait des menaces qui dit que je n'appelle tout. Depuis au croisement, depuis que j'ai arrêté, je bat ma pile. Et il a fait ça pas de faire parce que je connais des gens qui l'a dit. Mais ça m'a dit, je vais lever ça pour eux. C'est pas depuis m'arrêter, ma blague. Ma blague, c'est pas un pouvoir qui a blagué. Mais c'est société là, ma partage avec la population qui a blagué. Parce qu'on ne fait pas rien qui mal. Je ça mis une bataille pour nous. Et qui bon pour nous. Et l'autre dit qu'il va craser les zones, parce qu'il y a la game, et il va faire bien moi-même. Pas oublier, nous sommes fondés de pouvoir, malgré beaucoup de prétessements. Faut qu'on ne pas jouer avec mon n'importe gens. Et au fin de nous, je dis, à proposer du pénal quand même. C'est bâti en train de mettre lui. Gros raquette à fait. Gros raquette à fait. Mais nous avons un gros proverbe, nous. Ti police papa, bagayo bel l'amour. Bat chien yon ton met li.
Et bien, mettre chien lui-même, lui pral débarquer talé comme ça. Mesdames et messieurs, ensemble, entendez des déclarations commissaire Jean-Ernest Muscat. Sauf que moi, j'ai des employés en dedans immigration. Moi, je m'en ai dit parce que j'ai des gens qui viennent dans le Caribe qui disent qu'ils prennent 15-20 000 dollars ici dans le monde. Donc, tout le monde est en cavale. Et je me dis que je vais arrêter quel que soit à côté de mon croisé. Même si je ne vais pas mettre mon même dans la rue, je vais chercher. Je vais croiser, je vais arrêter parce que moi, je dis non. Les gens qui font trop. La question 10 pour eux, 0 pour eux. Moi-même, je vous dis à la moitié. Je vais débarquer dans l'immigration, tant pour ma mousse. Je vais marier tant pour crème. On croit qu'il y a 4 employés qui ont mandat de eux, mais il y a des gens qui ont des pour eux, mais il y a des gens qui n'ont pas capable. Comment ça est? Et à ce qui a trait avec le mandat de l'emploi immigration, pour faciliter la population à faire passeport, il y a un mandat d'obligé. Mais il faut dire que tu as pris responsabilité pour que l'emploi immigration. Il n'y a pas de bureau chaque jour, de temps en temps, sur le dehors, il y a 15-20 personnes. C'est ça qui a pris la gala. Et c'est ça que vous parlez? C'est ça que vous parlez. De temps en temps, sur le dehors, il y a 10-15 personnes. Donc, je sais pour la police. Les policiers ont une délégation de pouvoir, quel que soit l'employé immigration, qui quitte le bureau, qui saute dehors, qui entre à 4-5 personnes, arrêtez l'employé ça. Pour le moment là. C'est un mandat? Il n'y a pas besoin de mandat. Il n'y a pas de délégation de pouvoir pour ça. Il y a une flagrance dans le vagabond de faire. De ce fait, on n'est pas bien vite dit, ou c'est autorité, ou c'est ancien autorité. Chaque jour, on débarque dans l'immigration, on vient au moins 5, 10, 15 personnes, ou on fait passer, parce que c'est autorité. Par contre, c'est l'argent d'autorité, ça va venir dans le meilleur. Ça fait que tu es allé. Mais sauf que les policiers ont une délégation de pouvoir. Les policiers ont un devoir, accompagner le commissaire, camper devant l'immigration, faciliter, premier venu, premier rentré. Là, c'est vous-même qui êtes employé à l'immigration. Ou débarquer dehors, on prend 5 personnes par rentrée. Les policiers qui ont des amis, qui ont des amis dehors, ils prennent tout la vie. Ils ne sont pas des policiers. Et bien, c'est là des autres d'ailleurs. Oui, il y a des autres d'ailleurs. Donc, employés immigration, après qu'ils ne sont pas là, ils ont même qui placent tout par exemple. Ils ne sont pas des exemples. Les policiers, après qu'ils ne sont pas là. Combien d'employés qui ont des mandats dehors? Il y a 4 mandats dehors. Il y a 4 mandats dehors, ils n'ont pas besoin de payer. Ce n'est pas un mandat pour payer, ils sont scannés dehors. Comment expliquer ça au commissaire? Non, le mandat est tout dehors, il va exécuter. Mais moi, je vais croiser, je vais arrêter. Si on a des autres mandats. Si vous n'avez pas rétracté, si vous choisi de venir travailler pour la population, vous choisi pas d'entrer dans la brasse, pas d'en faire deal, pas d'en prendre l'argent, pas d'en faire compromis, pas d'en faire compromission, pas d'en faire favoritisme, même si mandat de mandat de capable toujours venir travailler, pas arrêter. Et voilà, mesdames et messieurs, Miragouane a toujours été un cimetière pour bandits. Yo kaj pour tout ça qui comprend, yo capable vin voler. Commissaire Jean-Ernest Muscadet continue travail ça, qualité commencé déjà. Puis devant mesdames et messieurs, nous gagnons Office Protection Citoyen qui dit que li prêt pour yo capable collaborer ensemble avec représentant droit moun qui pral venir dans pays d'Haïti a fait pour capable faire un travail qui spécifique. William O'Neil qui c'est un avocat, c'est lui même que au Conseil Nations Unies pour droit moun arrivé choisi pour capable rentrer dans le pays d'Haïti pour capable venir vérifier exactement qui Jean Bagayo a déroulé. Qui mission honneur lui-même l'a gagné, l'a porté si point ensemble avec Conseil technique by gouvernement haïtien afin pour capable comprendre qui Jean pour gérer situation moi. Lila, pour capable surveiller de près tout, tout ça qui a passé sous terrain, dans ça qui gen awe ak trafic moun, ensemble avec droit timoun yo dans pays d'Haïti. Nous connaissons très bien que question droit timoun yo dans pays d'Haïti, c'est pas bagay qui respecte du tout, pas vrai. Et droit timoun, c'est vraiment important. Go paquet timoun qui abdomine la rue, go paquet timoun qui obligé mande pour yo vivre, go paquet timoun mesdames et messieurs qui obligé à moyen à faire moun. Et go paquet timoun jounen jodi a la, c'est yo même qui fait partie de groupe armé qui existait dans pays d'Haïti parce que yo te mande yo mauvais moun et mauvais moun nan te mette yo nan direction si la. Et bien représentant droit moun qui c'est William O'Neil a gagné pour rentrer très bientôt en Haïti pour les capable s'y veiller ça qui a passé de près ou de loin ensemble avec organisation qui a défendre droit moun avec gouvernement haïtien et office protection citoyen qui lui même déjà prêt pour les capable protéger fol ensemble avec William O'Neil. Problème carburant continue à persister en dans pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Problème si là, c'est un problème qui est vraiment grave parce que li produit la montée des produits pétroliers dans pays.
Gagné 125 000 barils de gasoline qui soi-disant rentré dans le pays d'Haïti 12 avril 2023 et 15 avril qui a venu là, mesdames et messieurs, soit demain samedi, il y a divers lots barils qui a rentré encore. Et baril si là, c'est prêt le baril diesel. Est-ce que nous connaissons qui ça qui est capable de provoquer une crise gaz comme ça dans le pays d'Haïti? Eh bien, cause, mesdames et messieurs, capable dépression. Goudla. Dépression goudla, c'est un facteur qui est vraiment important. Li capable capacité de stockage que pays a lui-même li possédé. Li capable insécurité, li capable disponibilité dollar. Mais dans moment, joun nan bagay ki la cause, mesdames et messieurs, genye indisponibilité de carburant sa nan pays ya, qui provoke yon vrai raz-de-marée de mauvaise vie. Nous connaissons exactement ces dollars américains parce que l'État haïtien lui-même li pa genye dollars pour li capable acheter. C'est ça que fait. Je vous dis à la encore une autre fois, nous pourrons recevoir un économiste, Gusli Jean-Charles, qui pourra expliquer nous exactement qui ça qui taux de changement, qui ça qui dépréciation de la goudla là. Ensemble, mesdames et messieurs, entendez déclaration. Bonjour tout le monde, moi c'est Gusli Jean-Charles. Maintenant, moi là pour moi parler du taux de change. Bonjour Gusli. Taux d'échange, par définition, c'est prix yon monnaie par rapport à yon l'autre monnaie. Dans le cas haïtien, on est capable de se prix goudlan par rapport à dollar. Donc aujourd'hui, nous besoin 154.01 goud pour un dollar selon taux BRH. Ok. Yon déterminé taux d'échange là selon plusieurs régimes qui nous capable de résumer en deux régimes fondamentaux. Qui c'est régime d'échange flottant et régime d'échange fixe. Régime d'échange fixe lui-même est fixé par banque centrale du pays, tandis que régime d'échange flottant est déterminé par confrontation offre à demande dans ce marché. Et c'est régime d'échange ça que Haïti lui-même est utilisé. Ok. Qui conséquence taux d'échange là capable de gagner sur une économie? Conséquence pas neutre. Par exemple, un taux d'échange capable un facteur d'inflation. Parce que si pas gagner assez production nationale pour éviter des importations, si ou gagne un monnaie qui a déprécié tant que la caille nous la goutte qui a déprécié et nous pas gagner assez production nationale pour nous éviter importation yo, ça capable un facteur d'inflation pour nous, ça qui vient faire une augmentation prix bien ak service sur marché, surtout bien avec produits que nous importé yo. Li gen impact tout sur pouvoir d'achat parce que augmentation prix ak service sous marché qui vient provoquer inflation diminuer pouvoir d'achat ménage, c'est-à-dire diminuer quantité bien ak service que ménage capable procurer avec quantité corps beauty qu'on acheter même bien ak service yo dans le temps. Kounya, nous allons regarder quelques thèmes qui sont importants, qui sont moins jugés nécessaires, que nous avons supposé connaître dans la parole des questions de taux d'échange. Ok. Taux d'échange là, généralement déterminé selon deux prix. Un prix qui est rapporté avec le coût de vente et un prix qui est rapporté avec le coût d'achat. C'est qu'on soit capable de leur monter sous site en banque pour regarder à qui taux ils vendent ou bien acheter dollars ou après ils proposent deux prix. Un prix de vente et un prix d'achat. Qui sont capables de faire pour identifier ça qui est prix de vente, ça qui est prix d'achat. Généralement, prix de vente là inférieur avec prix d'achat. Pour ne pas dire taux de vente là toujours inférieur avec prix d'achat. Donc, c'est astuce qui est plus efficace que vous capable d'utiliser pour identifier prix de vente avec prix d'achat, taux d'échange là pour une banque donnée. D'accord. L'autre ça qui est important encore, l'autre thème qui est important que je juge nécessaire pour nous capable connaître de la parler de taux d'échange, c'est cotation qui est utilisée dans le pays. Il y a deux cotations. Il y a une cotation à l'incertain
gon cotation pour certains. Cotation à l'incertain lui-même nous dit c'est nomme unité monnaie locale là pour yon unité monnaie étrangère là. Ça veut dire dans cas pas nous c'est nomme de goutte nous besoin pour yon grain dollar. Ça veut dire dans situation haïtien nous utiliser en cotation à l'incertain parce que nous toujours dit tant qu'aujourd'hui si n'a pas si n'a présenté taux d'échange avec un monde qui m'a dit qui taux bien ça veut dire que nous capable ouais c'est norme qui kembe pour l'air après écrit tout des références là jodi hein capable monter sur site BRH là ou regarder qui tout référence jodi hein ou après li ba ou 154.0109 gold pour un dollar ça qui veut dire li kembe 4 chiffres après la virgule donc ou même si yo mande taux de référence là ou bien écrit taux de référence là ou envie écrire selon la norme faut toujours écrire 4 chiffres après la virgule. Merci, merci Gusti Jean-Charles. Et nous souhaitons connaître exactement qui ça qui yon taux de change, qui gens ou capable utiliser taux de change correctement pour capable faire travail spécifique ou gagner pour faire. Mesdames et messieurs, j'en t'ai annoncé nous déjà, Luis Abinadel, qui c'est président pays Saint-Domingue et République Dominicaine, c'est capable de dire comme ça dans bon terme, non? Et mérite recevoir secrétaire d'État adjoint pays États-Unis, Wendy Sherman, qui te chita parler ensemble avec lui, sous situation que pays d'Haïti lui-même lui a fait face avec depuis quelques temps, ça qui veut dire crise humanitaire, crise sanitaire avec crise sécuritaire. Et mais Luis Abinadel prend une position qui est capable de faire nous saisir, mais qui va vraiment étonner nous, qui c'est une intervention militaire pressée parce que lui-même, c'est la seule façon de dire ouais, pays d'Haïti capable de râler en souffle avec une situation compliquée, ça, que lui a fait face ensemble avec. L'armée pays d'Haïti a pas un niveau pour être capable contre Karezak banditis. Là nous dit pas un niveau, c'est parce que l'armée a c'est une armée qui brancale. Li pa gen assez de moyens efficaces afin pour capable contre Karezak si la yo. Et la police nationale d'Haïti a pas gen information adéquate et yo pas gen matériel tout qui capable permettre yo camper contre bandi. Donc selon Luis Abinadel, c'est le moyen que nous gagnons pour nous capable camper en face bandi sa yo qui continue à faire actualité en dans pays ya, c'est pour nous capables de joindre une intervention militaire. Mesdames et messieurs, habitants dans 6 sections communales de rivière la Tibonite qui fait partie du secteur agricole et élevage là, pas suspendre plaigner pour mauvais moment, il y a connait en bas griffe gang ça vient cap fait la loi dans communauté ya. Selon habitants yo, majorité terre yo rete à terre, yo pas ka travailler correctement et bandi yo exiger gros l'argent afin pour capable permettre yo vinn sous terre ça pour vinn travailler. Ensemble mesdames et messieurs, on des reportages nous ensemble avec un correspondant Thierry Vela Tibonite nous qui c'est Désir Venesse. Ensemble on entend qui j'en sali même lié sur le plan agricole dans la Tibonite ensemble avec la montée des groupes armés surtout pour voir ça que bandi ça vient yo même yo posséder actuellement là. On entend des reportages si là. Insécurité, tout plimay, kap taye banda nan tout peyi a pa epanye sekte agrikol la, espesyalman si la yo kap fe jaden. Yo mande avek responsab ki plase nan pi wo nivou nan l'Etat pou panse ak situasyon yo nan komin Tirize la Tibonite nan diferan seksyon kominal yo. Majorite te yo rete a te, yo pa travay a koz bandi okipe espas yo. Ti porsyon ki genyen peyizan plante ki ka travay la dan yo, se gwo l'ajan pou yo peye bandi yo, pou yo kap sime gren ou bien pou yal rekolte. Yon lot bo, si la yo ki nan elevaj, pa sispan plenyen. Par rapport avec Betio, bandi exam pas suspend débaqué vin boté alvan papil pa paquet nan marché public yon l'autre bord marchand kap acheter yo fait quoi c'est pas ak volonté yo mais c'est pression zam que bandi bas gang grif nan sa vient toujours fait sou yo pour yo ka acheter nan men yo yo même fait quoi parfois yo kondi bandi yo que ou pa gen l'argent pour yo acheter bandi yo fait placement Betio avec marchand yo les yo fin vann pour yo vin payer. On l'autre bord, si la ou ki nan élevage, toujours continue à plaigner par rapport avec Zano, qui pa gagne présent dans commune nan, vit avec responsable ministère de l'agriculture, qui pou mette Zano ak identifier Betio ak Kané, li oblige Mahon, parce que la prend gros pression nan mes bandi qui fait partie base gang griff nan sa vient pour ba yo identification ak Kané, même que yo konnen ke Betio pa pou yo.
ça lui permet que si citoyen ça qui était responsable obligé courir quitter commune là qui la cause si là qui c'est vrai propriétaire bétio dans difficulté pour identifier bétio ak zano ak kané pour ça population ou habitant yo mandé ak responsable qui nan pi au niveau yo penser ak situation yo nan ti rivière la Tibonite penser c'est toute couche insécurité a rivé touché Désir Venesse ti rivière la Tibonite cité Crète à Pierrot tac 509. Merci monsieur Désir. Donc nous tendez qui problème que paysan yo a confronté actuellement là dans la Tibonite. Mesdames et messieurs, divers hélicoptères te sillonné ville Port-au-Prince en date 13 avril 2023. Jusqu'à présent, origine yo inconnue et nous pas connaît exactement qui mission yo gagné, mais te gagné hélicoptère dans ciel Port-au-Prince. Puis devant nous gagné assassinat 13 avril 2023 de maître Pierre-Jacques Ambroise nan cap haïtien et nous gagnons tout la mort de yon avocat qui c'est maître Charles-Louis André 12 avril 2023 qui survenu a déluger dans commune Moui côté yo coupé tête li et arrivé mettait dit fait sous li. A noter que avocat ça lui-même li fait partie de avocat qui a défendre yon série moun nan Moui qui gagne tayo que bandi exam ta vle arrivé prend et n'a pas rappelé que magistrat lui-même Élisée Blaise te fait déclaration dans micro la presse côté elle te déclaré l'a demandé secours la police nationale d'Haïti par rapport ensemble avec dossier si là. Puis devant mesdames et messieurs, nous gagnons dossier faux diplôme dans pays États-Unis. Charles Etienne qui gagne 60 l'année, qui gagne l'école l'étape dirigée dans Fort Lauderdale ensemble avec Enid Sano qui gagne 60 l'année, qui te gagne au collège à diriger dans Lauder Hill risque 20 années de prison puisque yo t'a forcé des étudiants en infirmerie payer 12 à 17 000 dollars américains pour un paquet faux diplôme. Puis devant mesdames et messieurs, nous gagnons DGPNH là qui t'a rencontré ensemble avec ambassadeur Taïwan en pays d'Haïti qui c'est Wen Jiankou pour capable parler de situation la police nationale d'Haïti a et fait une façon pour capable continuer bail des formations continue et renforcer capacité la police nationale d'Haïti a afin pour capable combattre groupe armé. Et c'est là nous mettez bout dans rubrique tout pour aujourd'hui. Merci de ce côté like, commenter, partager. Nous bon rendez-vous pour une prochaine sortie. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine. Nous arrivons dans un moment où nous cherchons à investir, c'est besoin de pays pour l'investir. Si vous êtes après, c'est vite, tant que nous n'avons pas de plaisir, nous n'avons pas pour vendre, mais sans crédit. Nous chargeons richesse la donne, richesse grand volée, nous pas capable de finir dévaster. Nous avons mis pour madame, désormais nous avons quelques biens de table débarrasser. Ah oui, nous avons une belle plage, comme ça nous avons quelques villes, tout, nous plein trésor et tout dépanger. Nous avons quelques calmes, comme ça, des conditions. Tout faut acheter quelques salles, bam, font si présenter au palais à plein saloperie. Saloperie dérisoire pour tout ça que j'ai acheté. Nous parlons plein saloperie. Saloperie dérisoire pour tout ça que j'ai acheté. Des CPJ plein saloperie. Saloperie dérisoire pour tout ça que j'ai acheté. Climati plein saloperie. Saloperie dérisoire pour tout ça que j'ai acheté. Tout est capitaliste, lisse. Ça fait même bio l'état ne pas prévan. Ou qu'a trouvé ça triste, triste, triste. Mais faut que nous vannes pour mettre manger en dandaï. Ou pas utile, non, c'est au capini, non. En pile, non, yo, c'est au fin bacaini, non, c'est au caviline. Fait l'autre moun appris, non, yo, fait l'autre nation, peut décacher dans Figui, non. Kounyan sous gaz, nous bouquet surprise, ça son décision. Et plein l'autre salle. Sous les hachés, je ne vais poser une question. Là, on a plein saloperie, saloperie dérisoire pour tout ça que j'ai acheté. Déjà, il y a plein saloperie, saloperie dérisoire pour tout ça que j'ai acheté. Dans la douane, plein saloperie, saloperie dérisoire pour tout ça que j'ai acheté. Il m'a dit plein saloperie, saloperie dérisoire pour tout ça que j'ai acheté. Saloperie. Saloperie,
Saloperie, saloperie dérisoire. Tout le monde qui a mal à l'épilage, nous parlez de chanter, s'il vous plaît, saloperie. Saloperie, saloperie, saloperie dérisoire. Encore une fois, saloperie, 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 saloperie dérisoire. Daye yo pa itil non se yo ka pili nou. An pil nan yo se yo fèd makayini nou. Se yo ka vili nou, fè lot moun aprin. Yo fè lot nasyon pe de kache nan figi nou. Encore une fois koral mwen. Salopi, 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 salopi dérisoire. Plus fort, salopi, salopi, saloperie, saloperie dérisoire.